Le signal tient. Parfait. Tu es désormais hors de la simulation principale. Ça va semer les agents d'Abstergo pendant un moment, mais je t'avertis, tu vas aussi tomber sur du code incomplet et endommagé. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Demo In Game. Aujourd'hui on continue Assassin's Creed, donc c'est la partie 5. Explique pourquoi les gens que tu croiseras ne sont pas vraiment là. Donc j'ai déjà fait cette mission aussi, hein, comme la précédente. On dirait le Paris de la fin du 19e. Voilà un Paris que j'aimerais bien visiter. Ce sera pour une autre fois. Pour l'instant, tu dois rejoindre le portail de sortie. Eh, les premières bagnoles. Essaie de trouver un trajet souterrain. Trajet souterrain. Je m'en rappelle. Ah ouais, celle-là. Tu ne trouves pas que le Paris de la Belle Époque est beaucoup plus propre que celui de la Rue Fédon? J'ai trouvé un chemin passant par la station de métro devant toi. Bon, ce secteur devient instable. Tu dois descendre sous la surface. Dépêche-toi. On va pas se la fermer, elle. Donc oui, vu que j'ai déjà fait cette mission, je connais le chemin déjà. Mais bon. Enfin, je connais le chemin. Ouais. Je me souviens plus. Ah yes. Alors quand je l'ai fait du premier coup. J'espère que je vais faire la même. Les trains, les trains. Ah ouais, il me semble que c'est par là. Je ne sais plus où... Ouais. C'est le bordel avec les trains. Alors... Ah oui, putain, ouais. Quel est ce passage? Hop là, vite. Vite, enfoiré. Non! Qu'est-ce qu'il fait? Je vais crever. Vite. Oh putain. Ah ouais, putain, c'est vrai. Je vais prendre des planches plein la gueule et tout là. Ah! Je sais même pas si ça sert à quelque chose de se protéger. Ah si, abritez-vous pour éviter. Ouais. Oh bordel! Alors le chemin c'est par là. Oh bordel. Les grimpes. On dirait que tu vas devoir escalader la Statue de la Liberté. Elle doit provenir d'une autre période. Les Français devraient déjà l'avoir envoyée outre-Atlantique. Ouais, je vais me soigner quand même, on sait jamais. Non. Pour l'empêcher de se refermer. On se retrouve de l'autre côté. Oh. Donc ça c'est des portails apparemment pour faire des sauts dans le temps. Peut-être pas, hein. Peut-être que j'ai rien compris.
passerelle entre serveurs, ouais. Pour passer d'un endroit à un autre, c'est pas pour faire des voyages dans le temps. Donc, bon, on va continuer là, hein. Je vais pas couper la vidéo de suite. Ok, donc là on se retrouve directement dans la mémoire 4, enfin dans la séquence 4, mémoire 1. Donc là je vais explorer la cour des miracles. Ouais, à un moment donné ça va partir en filature. Je vais essayer de vous faire ça bien. Ah merde, putain. Viens ici, toi, que je t'écrase comme une noix. Je vais lui défoncer la gueule à lui, il va rien comprendre. Donc là, je sais où c'est. C'est ici en bas. J'ai déjà fait. On va éviter de chercher longtemps. Hein. Le voilà, tranche, le lieutenant. Docteur, coupez-lui le pied. La touche. Pitié. Je ne m'y risquerai pas. Regarde. Oh, splendide, non? Le bon peuple de Paris donne plus d'argent aux mendiants estropiés qu'à ceux encore intacts. Le roi des thunes trouve dans cette opportunité le moyen nécessaire à stimuler ses employés les moins prospères. Cet homme a déjà perdu son pied. Certes, tu peux charger dans le tas et causer un joli tumulte qui renverra tous ces rats dans leur trou. Ou tu peux te mêler à la meute et suivre les rats doucement jusqu'à leur souverain. Quoi que tu fasses, cet homme ne reverra pas son pied. C'est fait. Escortez-le à l'infirmerie pour cautériser la plaie, puis renvoyez-le dans la rue. Allez, toi, debout. Merci, j'apprécie le conseil. Pas encore. Qui êtes-vous, au juste? Et pourquoi m'aidez-vous? Cela fait quelque temps que je t'ai à l'œil, Arnaud. Je considère qu'il est de mon devoir d'aider ceux qui ont connu, tout comme moi, l'emprise cruelle de la Bastille. Et j'ai un intérêt bien personnel à voir le roi des rats. Au piège. Quant à mon nom, j'ai le grand privilège d'être Donatien Alphonse François, marquis de Sade. Viens me rendre visite quand tu te seras lassé de chasser la vermine. Oh, quelle belle trace il laisse. Bonne chance. Ouais, c'est ça, bonne chance, ouais. Donc on y va. Alors moi, j'avais fait la connerie de le suivre voilà, au sol. Il est là, cet enfoiré. C'est mieux d'être en hauteur. Enfin pas de suite. De toute façon, vous allez voir. Là, je me suis chié là. Arrière. Je crois que je peux passer par là. Ouais. Merde. Ne pars pas. Je suis toujours content de te voir. Et tu vas souffrir, supplier, implorer. Bon, désolé. Monsieur. Et là. Toujours en train de prodiguer ses soins aux affligés. Un jour viendra. Plutôt que tu ne l'imagines, sois-en sûr. Ça, je me souviens plus par où je t'ai passé. Oh,
après. Tu me connais ? C'est pas normal. Je suis là. Désolé si vous entendez un peu de bordel, parce que dehors il y a un peu des travaux, c'est un peu la zone. C'est parce qu'il s'était trompé dans les comptes. C'est vrai ? Je pensais qu'il avait volé dans les caisses. Non, il a oublié un 1 dans le registre. Je vois. Mieux vaut ne pas traîner alors. Donc, ouais, je disais, il y a le bordel dehors. J'espère que ça ne s'entendra pas trop dans la vidéo. De toute façon, faut toujours quelque chose pour me faire chier. Merde. Ouais, là, je crois que la filature se termine ici. Faites-le entrer, vite! Je sens que quelque chose ne va pas. Il est mort, monsieur. Alors jetez-le dans le caniveau et suivez-moi à l'intérieur. Ok, donc... Ouais, faut que j'aille le buter, cet enfoiré. Je vais passer par les toits. Merde. Alors il me semble qu'il y avait des mecs aussi vers là. Oh putain. Alors, qu'est-ce que... Merde. Allez, la tire, qu'est-ce qui... Il veut pas tirer, il se fout de ma gueule. Je sais plus comment on fait pour viser. Ok, bon, là j'ai réussi à passer. Est-ce que je peux le tuer d'ici? Ouais. Ok, bon, je vais d'abord le fouiller, on va voir si ce que je peux récupérer. Non, mais il... Putain. Quelle est la consigne pour le malheureux d'Ulysses ? Brûlé dans un incendie qui a tué sa famille et lui a fait perdre la tête. Un incendie ? Tu sais à quel point je peine à les imiter sans faire brûler la moitié du quartier ? Utilise un peu d'huile de vitriol. Les gens ne font pas la différence. Comment il gueule cet enfoiré ? Je peux pas le buter lui. Allez, on y va. Dis-moi où est le roi des thunes, et je te laisserai la vie. Les catacombes !
Il est dans les catacombes sous la vieille église. La touche. Je m'attendais à ce que tu sois un peu plus coriace. Que penserait ton maître? Mon Dieu. Mon Dieu, des... Donc là, je vais juste m'arracher. Foiré, comment il gueule, putain. Je crois que là, c'est la fin de la mission. Allez, là. Donc, je termine la mission, je vous laisserai là. On se retrouvera sur une prochaine vidéo pour la suite. Ok, c'est terminé. Ouais, ben, je vous dis à la prochaine pour la suite de ce jeu. Allez, bye bye.